Tout le monde, aujourd'hui on se trouve sur League of Legends. Donc je vais jouer Kha'Zix, gardien des sables, et mon ami Arnfus va jouer Jax Shaolin. Donc nous avons une Tristana bot avec une Leona qui est pour l'instant pas là encore. Donc moi jungle, voilà, elle arrive, elle est là. Moi jungle avec mon ami Arnofus, qui s'appelle Arnaud. Il sera là dans beaucoup de mes vidéos, je pense. Qui va jouer top avec une Lee Sandra mid, un cadran en argent. Même si les cadrans en argent, c'est pas tout le temps super fort. Après, donc je pense qu'il y a un Emerdinger mid avec un Teemo et un Yasuo bot et un Tryndamere et Aatrox top, parce que pour l'instant ils ont pas de jungle, enfin ils ont pas de jungle simplement, et voilà. Donc je sais pas si vous l'entendez, mais en fait j'avais oublié d'activer mon micro pendant la vidéo, et du coup ce qui fait que j'ai dû mettre le son sur ma vidéo. Voilà. Donc la partie va bientôt commencer. Donc voilà. C'est une partie normale, c'est pas une classée. Voilà, donc c'est reparti, on va dire. Donc là, voilà, je suis prêt pour me diriger vers mon raid. Je vais commencer avec machette et potion. Et je vais prendre mon A au début. Donc je demande de l'aide pour mon loup. Voilà, parce que j'ai du mana. Donc voilà, donc Kha'Zix c'est sympa. Je vais vous montrer ma danse, enfin les actions qu'il fait en faisant contrôle 1, 2 ou 3 ou 4. C'est parti. Bienvenue dans la faille de l'avocat. Ça, c'est bien gentil. Mais à quelle heure on mange ? 1 seconde avant l'apparition des spines. Bon, je vous le remets. Voilà, ça danse. Et son rire. Voilà, donc vous avez compris. Donc en bot. Ah, ok, ça va commencer avec un premier son, excellent. Ah, c'est mal barré. Pour. Bon, ils l'embrassent tous les deux. Ah, il a mis tornade. Ah, ça va être compliqué. Ah, Tryndamere décide d'aller sous la tower. Oh, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Et bam, oh, tranquillement. Bon, bah, c'est bien joué. Bah, on commence déjà avec 2 kills. Allez, donc c'est parti pour mon blue. Donc, voilà. Donc, normalement, faut laisser jusqu'à à peu près 400 de vie. Puis après, on smite, voilà, comme ça. Et donc ça le tue directement. Voilà, donc je dis merci à mon ami, bien sûr. Et vous voyez, il y a un espèce de cercle de sable. Et ben en fait, ça. Le cercle de sable, et ben. Ça permet que quand on fait notre A, et ben il fait beaucoup plus de dégâts. Voilà, simplement. Donc. Là, j'avais prévu de me faire des corbeaux, mais après j'ai vu Leona un peu en danger. Donc, j'ai fait mes Z pour essayer de la sauver. Elle l'a mis sous la fatigue, puis on l'a attaqué ensemble. Voilà, et là, hop, c'est fini. Voilà, donc Yasuo a voulu commencer à attaquer. Donc, voilà, j'ai essayé de le ralentir. Bon, on l'a pas eu, malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Mais on avait très bien joué, j'ai pas compris parce qu'il avait
mois après. Donc j'ai pas compris le jeu. Donc là, il m'a embrassé, je sais pas pourquoi. Et donc il m'a. Donc là, je vais me diriger vers mes corbeaux. Donc voilà, je vais les faire tranquillement. Puis après, le bon enchaînement qu'il faut faire en jungle, enfin l'enchaînement qu'il faut faire, c'est blue ou c'est blue. Donc vous faites votre blue. Donc on va vous passer le niveau. Après, vous allez au wolf, les loups, ou au corbeau. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, je vais au corbeau parce que c'est le moins puissant, ce qui me fait perdre moins de vie. Et après, vous enchaînez avec le raid. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Voilà, faut smite toujours vers 400 de vie. Voilà. Moi je les smite un peu avant, mais c'est pas très grave vu qu'ils ont pas de jungle. Donc il peut pas venir me le smite en place. Donc là, si je fais mon A, ça fait beaucoup plus de dégâts que s'il était avec ses compagnons. Voilà, donc là je vais me diriger vers les loups. Donc je vais me les faire, je pense. Oui, je vais me les faire. Tranquillement. Puis voilà, je me fais des loups. Après, je vais enchaîner sur les corbeaux. Et après, j'ai voulu renchaîner sur les loups. Mais je l'ai pas fait parce que tout simplement, bah, déjà j'avais plus trop de vie, j'avais plus trop de mana. Et parce que aussi, tout simplement, ils étaient pas là. Voilà, du coup, j'ai fait les loups. Après, les corbeaux. Je suis dirigé vers les loups, puis j'ai baqué. Voilà, donc on va le voir. Donc moi j'avais prévu d'augmenter le A, effectivement. Et après, mes pics et mon saut. Voilà. Donc mon A, mon saut et mes pics, ouais, c'est comme ça. Et donc en fait, avec Kha'Zix, c'est pas mal. C'est sympa, c'est très sympa. Et ben donc voilà, je suis avec une pierre spirituelle et des bottes pour aller un peu plus vite dans la jungle, sinon c'est trop lent. Donc il a réussi à faire son kill. Bon, ça va. Alors, ça, normalement ça passe pas. Il avait pas soin et il aurait battu. Mais il s'est soigné, donc voilà. Mais c'était quand même bien joué. J'ai trouvé. Donc là, je suis dirigé vers les loups. Donc oui, Kha'Zix, quand il y a son ulti, ce qui permet de le rendre transparent pendant quelques secondes et d'aller plus vite pour rattraper les ennemis par exemple, et ben on a une évolution. Donc ça permet d'évoluer le A et par exemple il fait plus de dégâts. Le Z, au lieu de lancer une pique, ça en lance 3. Et le E, ça fait tout simplement une plus grande zone. Donc pour rattraper les ennemis, c'est très sympa. Donc voilà, ils ont assez mal joué en bot parce qu'elles sont tous les deux allées sous la tower. Mais bon, c'est pas grave parce que t'as pas fait la bot. Hein. Voilà. C'est pas très grave. Donc, apparemment, et Merdinger. Bah, apparemment, Lissandra est pas exceptionnelle en mid. Mais par contre, et Merdinger, c'est assez puissant. Même si on n'est pas spécialement fort. Donc, on peut faire un tour. Et voilà. Donc là, j'ai remarqué que la potion donnait beaucoup plus de soins qu'avant. Donc là, je me suis dirigée pour aller me faire le blue parce que tout simplement ils n'avaient pas de jungle en face. Ce qui fait que je savais qu'ils n'avaient pas fait le blue. Du coup, je suis allée me le faire. Voilà, je les smite tranquillement. Donc, après, j'ai voulu me faire les wolves, mais je me suis dit non. Donc elle voulait avoir le blue qui allait réapparaître. Donc là, j'ai regardé quand il allait réapparaître. Il restait 4 secondes, 5 secondes. Voilà. Donc je suis passé et donc après je me suis dirigé vers le blue. Voilà, donc là en fait je vais lui donner le blue parce qu'elle en a besoin, elle a du mana et parce que de toute façon moi j'ai pris le blue adverse. Donc moi je vais faire mon saut, elle va faire son E pour tout simplement faire des dégâts et se téléporter. Donc je me mets en tant que cible pour le blue. Donc là, voilà, je vais essayer de faire son jeu tranquillement. Voilà. Donc elle a le loup. Après, elle m'a laissé ses petits sbires. Puis après, je suis allée me faire le cromp, qui est un gros crapaud. Qui fait pas mal de dégâts quand même. Et n'hésitez pas à smite sur lui aussi. Parce que c'est pas simple. Enfin, c'est pas simple sur le smite. Et donc, les wolves, comme vous voyez, sur la nouvelle map. Pour les anciens.
Et ben ils ont deux têtes, donc c'est plutôt sympa et je trouve qu'elle est plutôt stylée la map, mais on s'habitue très vite. Voilà, ça change pas grand-chose. Bon, je me suis fait les loups tranquillement pour passer niveau 6. Je suis allée faire les corbeaux parce que je pouvais pas partir sans avoir mon niveau 6. Faut essayer de battre le moins de fois. Voilà, je me suis fait les corbeaux tranquillement, il manquait plus trop d'XP comme on l'a eu en bas. Et puis je me serais fait le gros corbeau, de toute façon je vais passer à niveau. Hop, tranquille. Donc voilà, donc là je vais augmenter mon ulti. Et j'ai plusieurs évolutions de toutes mes compétences. Donc je vais choisir le. Donc ça va me sortir des ailes, ce qui me permettra de sauter plus loin. Et donc ça va permettre déjà de rattraper les ennemis, de faire plus de dégâts et de s'échapper aussi plus facilement si jamais on est abandonné. Donc là j'avais prévu de l'attaquer, mais après je me suis assez bien défoncé. Parce qu'il m'a stun, ses tourelles m'ont assez bien défoncé. Bon, il a très bien joué. C'est un Emerdinger, oui, mais je trouve qu'il a très bien joué. Voilà. C'était bien. Moi j'ai en plus j'ai assez mal joué parce que j'ai refaire mon A. Mais j'ai un peu stressé, on va dire. Ce qui fait que ça m'a complètement. Donc là, je vais me diriger vers le top parce qu'apparemment mon ami a du mal. Même si je pense qu'il se débrouille assez bien contre un Aatrox. Parce que les Aatrox, c'est pas simple. Donc là, ils sont trois en boxe. Ça m'a beaucoup impressionné quand j'ai joué parce que c'est pas l'intérêt. Et donc voilà. Donc il a failli se le faire, mais donc je vais pas y aller parce que il a failli se le faire et donc. Là, il allait partir et il allait même peut-être se le faire. Je sais plus s'il se l'est fait ou pas. Je crois oui, qu'après Aatrox, il est allé chercher mon ami et après il est mort. Je crois. Mais je sais pas. Donc là, je vais me diriger en bot parce qu'ils étaient tout simplement 3. Et c'était beaucoup. Donc voilà, il y a un fight en top. Ah, dommage. Je pense que c'est pas passé tellement. Donc j'ai décidé de faire mon ulti parce que ça me rend plus puissant. Hop, je refais mon ulti pour les rattraper vite fait. Hop, j'attaque, j'attaque, et donc elle est assez forte, Tristana, elle fait assez de dégâts. Et en fait, avec Kha'Zix, il vaut mieux faire son A au dernier moment. Et là, je pense que j'ai fait une grosse erreur, j'aurais dû continuer sur la tourelle. J'aurais pu tout simplement faire mon Z, moi, mon il serait bien mort. Après, j'aurais flash, et j'aurais pu échapper simplement au coup de la tourelle. Je tiens à vous dire que les coups de la tourelle sont de plus en plus puissants à chaque fois qu'on prend des coups. Donc. Voilà, donc Luna a décidé de s'attaquer à lui. J'ai un peu KS. Donc je lui ai dit que j'étais désolée. Voilà, parce que c'était assez. C'était vraiment KS. Mais bon, elle avait pas l'air vraiment dérangée. Elle avait pas l'air vraiment dérangée de ça. Donc je lui ai dit pardon plusieurs fois. Donc ouais, c'était un KS. Un très gros KS. Parce que j'avais peur qu'elle n'ait pas eu le kill. Donc voilà, donc ouais. J'ai Kha'Zix, faut faire vraiment gaffe au KS parce que il peut beaucoup KS, Kha'Zix. Et je tiens aussi à vous dire que quand on fait son Z, c'est pour ça qu'il faut l'augmenter en deuxième, quand on est au niveau 2. Quand on fait son Z, on regagne sa vie en fait. Si on est proche de l'ennemi, on regagne sa vie. Donc voilà, mais si on est loin, ça lui fait juste des dégâts, ça le ralentit. Donc voilà le bac de Kha'Zix qui est assez stylé. Kha'Zix gardien de sable. C'est assez stylé, je trouve. Donc après moi je vous conseille pas, après moi pour votre deuxième ulti je vous conseille d'augmenter votre A, puis après votre Z ou votre ulti, ça dépend. Si vous êtes plutôt teamfight bourrin, il vaut mieux augmenter son Z. Mais si vous êtes plutôt discret et vous essayez de rattraper pendant une fuite, et ben vaut mieux dans ce cas-là améliorer, faire l'évolution de son ulti. Donc je suis allée aider mon ami Arnfus et j'ai réussi à survivre, je sais même pas comment j'ai fait. Avec la chance. Voilà. J'ai battu. Et je fais Merdinger. Il est mort. Tout qui s'est fait, il a fait une interruption sur Merdinger et j'ai eu l'assistance en plus. Série ennemie. Je vais aller au bout,
je vais lui donner le loup. Je vais donner le loup à Lissandra. Un ennemi a été tué. Donc je lui demande de venir. Donc j'ai commencé le blue. Ce monde est si délicieux. Voilà. Et après, je vais lui laisser. Il va faire son mot pour se télé derrière voilà, le mur. Voilà, donc je vais passer le blue. Et là, je vais me faire le loup. L'Erdinger, il est vraiment fort. En mid, c'est fort en Erdinger en fait à la base. Donc là, je vais aller les aider pour le battre. Ouais, ils n'avaient pas besoin de moi, apparemment. Donc en bot, ils se débrouillent bien, ils ont détruit une tourelle. Donc là, on va tous aller l'aider en top pour Aatrox. Donc là, j'ai demandé à Lissandra de pas venir, mais bon. Elle a vu le mur. Donc voilà, là, j'avais augmenté mon A au max. Puis après, j'ai enchaîné sur le E, puis le Z. Donc il a détruit la tourelle, mais on va le défoncer. Tout simplement. Donc il a son puissant qui lui régénère sa vie, mais voilà, il va mourir. Donc Lissandra a un peu KS, peu beaucoup même. Donc vu qu'ils ont pas de jungler en face, je vais aller me faire. Je vais aller en mid. Comme vous voyez, il y a le baron qui est sorti, qui est assez stylé. Je vais aller l'aider, mais je vais mourir. Simplement. Voilà, par les sbires aussi. Donc, je dirais désolé quand même à Lissandra parce que j'ai rien fait. Donc, pour l'instant, ça va, mais j'espère qu'il n'est pas catastrophique. Je trouve qu'il suit un peu trop, à mon avis. Voilà. Donc après je ferai peut-être d'autres vidéos avec un autre ami, c'est le frère à celui avec qui je suis en train de jouer. Et peut-être j'en ferai, mais c'est pas sûr. Parce qu'il fait souvent des ranked. Voilà. Et moi je suis pas de niveau, je suis pas salué. Donc là on va essayer de récupérer Tryndamere, puis après j'aurais pu continuer Tryndamere, mais après j'ai trop cherché. Il y a notre sort à moi. Voilà, il y a Tchernobyl qui a été tué. Alors j'ai réussi de peu à leur échapper. Ouais, de peu, avec 20 HP. Voilà, donc je vais retourner à mon bar. Donc là, elle est morte, mais là, c'est très chiant, les petits mots, par contre. Avec leur poil. Je trouve que la nouvelle map, elle est vraiment stylée. Lissandra s'en sort bien. De peu, mais elle s'en sort. Et après, il y a. Donc, moi, bien sûr, je me dirige en ligne, comme tout à l'heure. Là, on va dire que j'ai un peu sauvé Lissandra parce que je me suis pris la tornade de Yasuo avant elle. Mais elle m'a KS. Et elle va mourir. Mais là moi je vais aller et je vais le KS. Sans faire exprès, hein, bien sûr. Un allié a été tué. Ah
Doublé. Et celui-là était beau aussi. Je vais faire ça. Pardon parce que ça c'est pas. Plus il était beau. Bon là j'ai voulu faire le dragon, mais j'avais pas assez de vie et il m'a tué simplement. C'était bête. Mais, donc j'ai laissé aller mon ami, puis après il m'a attaqué, j'avais plus de vie, puis il a fait une attaque en zone. Et je suis mort. Mais j'ai quand même eu l'assist. C'est mort débile. Comme ça. Hein. Donc, continue pour sur une hydre vorace. Pour l'instant, c'est assez serré. Même si en top, il leur reste toutes leurs tourelles. Et ils nous en ont détruit une. Par contre, en bot, ils jouent très bien. Parce qu'ils ont détruit deux. Ouais, ils viennent d'en détruire deux. Enfin, une. Donc ça fait deux. En mid, ben, ils ont encore rien détruit. Enfin, ils n'ont pas détruit de tourelle en mid encore. Même si Emerdinger est assez fort. Surtout ces tourelles. Et voilà, je vais se les faire tranquillement. Mais j'ai essayé de sauver mon ami en mourant. Mais... me sauver mais en mourant. Donc je peux augmenter ma seconde évolution. Je vais augmenter mon A. Mais la première fois je peux pas l'augmenter parce que je suis pas mourant. Je suis pas mourant. Et donc ça a créé des genres de scie. Voilà, des pics sur ses bras. Et donc ça fait beaucoup plus de dégâts. Et ça a beaucoup plus de portée aussi. Voilà, donc je les augmente. Après, pour les pics, je crois que j'irai pas jusqu'au pic parce qu'on terminera la partie avant. Les pics, tout simplement, ça sort sur ses épaules, il y a des pics qui sortent. Tout simplement. Et pour l'ulti, ben, y a sa peau en gros qui s'enlève. Et ça va, une fois plus stylé. Mais pas forcément plus fort. Là, je fight KS, mais je l'ai pas KS. Donc, ils avaient mis une ward. Voilà, dans le buff. Il y a Trox qui est venu. Après, je me suis fait défoncer. Mais j'ai eu l'assist sur Timo. Ben, on était trois à l'avoir. Et il y a eu un peu un ulti dans le vide de la part de Merdinger. On a détruit là. On a réussi à détruire la tourelle du mid. Et top. Apparemment, les sbires vont détruire aussi. Par contre, en bot, ils ont beaucoup trop de sbires. Donc, on va peut-être perdre notre tourelle. Ah non, il n'y aura pas de feu. De feu à cause de Timo. De HP. On l'a pas eu. Voilà, donc je le remets quand même parce que c'est assez intéressant. Donc là, je vais essayer d'aller me faire Timo en top avec Jax après qui va venir. Donc là, je m'attendais à ce qu'il vienne, mais il n'est pas venu. Il a décidé de pêcher, du coup, je suis allé le voir. Donc j'ai claqué ulti pour aller plus vite. Donc il avait posé des champignons, donc ce qui m'a assez fait mal. Puis après il avait plus soif de sang, puis ça lui a régénéré sa vie quand il m'a tapé. Et donc là il y a
Il y a mon ami Elisandra qui se fait Chino et j'ai une assistance. Et donc là ils vont terminer Atrox normalement. Ouais. Voilà. Et après ils vont enchaîner sur le bleu pour Elisandra, je pense. Et voilà. Moi je vais retourner en top pour un peu poche et défendre la tower. Donc je vais demander de défendre la tower. Jack ça va y aller. Et moi je vais retourner en mid tranquillement pour me faire des kills. Donc voilà. Donc vous allez peut-être être déçus par la qualité de la vidéo, mais voilà, je suis désolée, je peux faire mieux. Donc là je suis mort assez débilement parce que j'ai fait quasiment zéro dégâts à Emerdinger. Et je pense que je pense que Kha'Zix il a une spéciale contre Emerdinger parce que vraiment depuis le début de la game il peut faire mieux. Mais j'ai eu l'assist donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc je suis situé 7 morts et 8 assists. Donc ça tombe pas mal pour un jungle. Ouais, et la plupart de mes morts c'était sur Emerdinger. Donc là il y a mon ami, il y a Atrox qui a qui avait posé une ward. Et donc il y a mon ami qui va complètement éclater Tryndamere. Et de peu il va réussir à fuir. Parce que si Atrox avait correctement placé son attaque, il aurait pu mourir. Donc Tristana a bien joué parce qu'elle a fait son ulti sens inverse de notre côté. Ce qui fait qu'après bah, il était reculé, il ne pouvait pas survivre parce qu'on lui a fait déjà beaucoup de dégâts. Donc on est sur la deuxième tourelle. Et après, donc je me suis reculé parce que je pensais que j'allais mourir avec le poison de Chimo, etc. Après j'ai bat. Donc là on est en lit. Ensuite je vais aller faire le baron. Enfin, on est allé faire le baron. Plus tard on était allé faire le baron. Donc là on a détruit la tourelle avant l'inhibiteur. Et en top ils ont réussi à détruire la tourelle. Le nos sbires. On a eu l'inhibiteur aussi, ce qui fait que maintenant on a des grosses billes. Votre équipe a détruit une tourelle. Votre équipe a détruit une tourelle. Donc Atrox fait des attaques de loin. Lissandra commence à attaquer. Par contre c'est un peu mal barré. Bon voilà, elle a réussi à se faire Yasuo. Et elle a même réussi à se faire Teemo. C'est dangereux ce qu'elle fait. Et par contre, Tristana est mort par Emerdinger. Voilà. Moi je déteste les tourelles d'Emerdinger. Donc là je suis mort par Emerdinger. Parce que. Je sais pas, même pas. Parce que si je pense que si on regarde les Twitters, je pense que Emerdinger doit être. Doit y être. Donc moi j'aime bien le style de Kha'Zix. Donc mon ami utilise sa technique banale, c'est-à-dire faire semblant de baquer pour que les ennemis viennent et ensuite pour les défoncer. C'est une bonne technique, c'est bête mais c'est une bonne technique. Donc j'ai terminé ma Vora, si je continue sur le coup près, bien sûr je prends les bots par là. Puis après je prendrai 2 foyers pour aller encore plus vite parce que j'ai pas. Parce que là il y a quand même un long chemin à faire pour arriver de l'autre côté. Donc là j'avais prévu de. Il y avait Teemo en bot. Donc là il est en train de poser des champignons. Donc je l'ai assez bien défoncé. Après Tristana il est arrivé. Moi j'ai reculé. Tristana est arrivée, j'ai fait mon Z et je l'ai tué. Mais je suis pas mort. Donc c'était plutôt bien. Et après il y a. Je crois qu'il y a un Trox qui est revenu. Donc là j'ai pris mes 2 foyers. Donc si vous connaissez pas, bah, c'est un enchantement au bot qui permet d'aller plus vite au début. Voilà. Jusqu'à 710 points. Voilà. Mais
ça fait pas toute la map quand même, sinon c'est trop OP. Donc Lissandra. Donc Lissandra c'était Yasuo. C'était bien joué. Donc bien sûr avec le puits de sang Aatrox, elle a réussi à faire son doublé. C'est bien joué, même si je trouve que Sandra elle pèse un peu. Pendant cette game, mais Cloda a réussi à survivre à l'air d'une game. Donc voilà, donc on entame la première tourelle du Nexus. Donc on détruit. Puis la deuxième, moi je reste pour la détruire parce que j'avais vraiment un petit lire. Puis voilà, donc on se fait trim la mer. Enfin, on se fait trim la mer. Puis mon ami décide d'aller trop vite pour faire le boss sous la grosse tourelle. Et du coup, bon. Donc voilà, donc si vous avez aimé, ben, mettez un pouce vert et donnez-moi le plus de conseils possible et abonnez-vous. Ciao.